Bonjour à tous, c'est ici Cléa Simon, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Rimworld, donc toujours sur notre colonie La Fourmilière. Et on s'était laissé dans l'épisode précédent, et ben on avait eu une petite attaque de la part de pirates, si je me souviens bien. On avait réussi à les repousser, on a eu beaucoup de blessés, hein, vous voyez que l'hôpital est complètement occupé. Cléa Simon s'était occupée d'El Momo, là juste sur l'inter-épisode je lui ai demandé d'aller s'occuper de Hermine, qui est tout simplement notre deuxième médecin attitré, et comme ça on va pouvoir soigner le plus de personnes possible, c'est possible aussi soigner Empereur Zern, et éviter un petit peu toutes les humeurs massacrantes, parce que vous voyez qu'il y en a plusieurs qui risquent de partir dans une légère crise de nerfs, et on a Moriera qui risque d'avoir une violente crise de nerfs, et lui il est équipé d'une lance, et ça pourrait être beaucoup plus violent, donc il va falloir être plutôt efficace. On voit ici quelques armes, des pistolets qui traînent, donc certains ne sont pas armés, je crois que Moriera a encore sa lance. Donc ça pourrait être problématique pour la suite de l'aventure. Bon, dans les commentaires, j'ai vu bien sûr que plusieurs étaient tristes pour Mentan qui est décédé. Bien sûr, c'est le First Blood, hein, en effet. Mais bon, on va essayer de soigner tout ça. Vous voyez que les arbres commencent à prendre des feuilles, ce qui veut dire que l'hiver approche de sa fin. Normalement, on devrait avoir les périodes de culture qui vont arriver. Est-ce qu'on a les périodes de culture ici? Pas du tout. Mais on doit approcher, on est au mois de janvier, donc ouais, on doit pouvoir arriver, je pense, les cultures à partir du mois de... est-ce qu'on les a indiquées dessus? Je vais vérifier ça. Ça a pas l'air d'être marqué pour l'instant. Zone agricole, on peut pas qualifier trop froid, oui. Mais à août, d'accord. Donc là, on peut pas encore de ce côté-ci, mais on a au moins l'intérieur. Donc il va falloir attendre le mois de mai. Ça va être un petit peu long, mais on a des animaux qui reviennent petit à petit. Donc là aussi, on va pouvoir, je pense... ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir conserver nos animaux. On va pouvoir peut-être en tame de nouveau, donc en domestiquer de nouveau. Peut-être des sangliers aussi, leur apprendre des choses. Notamment notre sanglier 1 qui pourrait être très utile. Vous voyez que si on arrive à avoir... le rescue, c'est-à-dire qu'il pourra sauver certains de nos habitants. Et j'ai des conteneurs, des capsules qui sont arrivées et qui contiennent malheureusement surtout du cuir de warg. Pas très utile le cuir de warg actuellement. Mais bon, il servira plus tard, c'est pas trop gênant. Est-ce qu'on a quelques plantes? D'accord, on a de la terre, on a de la neige ici. Ok, après on a quelques personnes qui vont être soignées. J'aimerais que Moriera, qu'est-ce qui va, qui lui va pas? Moriera, humeur, blessé, bon, a vu mourir un inconnu, ok, dans le noir, ok, vêtements lambeaux, ok, peu joyeux. Il n'y a pas beaucoup de choses qui lui font plaisir. Énergie, on va peut-être mettre de l'équipement ici pour que ça soit un petit peu plus classe. Ça serait pas mal, un peu de lumière. Dès qu'on pourra, en tout cas il y a de la chaleur, hein, donc déjà ça c'est plutôt pas mal. On a un fournisseur militaire qui vient de passer, ok. Oh, Empereur Zern qui vomit, qui est malade. Ok, El Momo vient de se lever, Hermine aussi, très bien. Donc on va avoir des soins qui vont pouvoir être donnés. Et Hermine qui... ah, elle a un bagot, elle est plutôt âgée Hermine, hein, 53 ans en effet. Bon, quelques déchirures, des blessures, des fractures. Les fractures, il faut faire attention que ça se remette bien. Parce que si ça ne se remet pas, on aura des blessures supplémentaires. Et ça pourrait être dangereux. Donc on va voir si on arrive à avoir des soins corrects pour la suite. Est-ce qu'on peut soigner Moriera, s'il vous plaît? J'aimerais... il y en a une famine qui sévit. Est-ce qu'on peut récolter certaines plantes? Apparemment oui, on a des plantes que l'on peut récolter. Et tombeur, n'en est pas de garde forestier. On va le mettre en garde forestier en premier, ça serait pas mal. On va essayer de récupérer un peu de nourriture pour éviter que ça aille beaucoup mieux. Et apparemment ça fonctionne, hein, ce qui est plutôt pas mal. Et on a Rome qui est devenu berserk. Ça c'est pas une bonne nouvelle. D'accord, bon il a été blessé tout de suite, très bien. Cléacide d'abord, tu vas...
Secourir Rome, s'il te plaît. Bon, forcément, fallait que... Alors, il sort juste de blessure, hein, mais il vient d'en reprendre une contusion. Les contusions, c'est pas trop grave encore, mais... Oh, El Momo vient de se soigner. Très bonne nouvelle. Va falloir récupérer les personnes, qu'elles se soignent complètement. Et Cléassime a quand même pris une grosse contusion. Bon, rien de très grave, heureusement. D'ailleurs, je vais pouvoir enlever à Cléassime le fait d'être médecin. Ce qui sera beaucoup mieux comme ceci. Et on va pouvoir s'occuper des autres. Qui est en humeur massacrante? Apparemment, Empereur Zerne ne va pas très bien. Et il est soigné pour le moment, donc ça devrait aller beaucoup mieux aussi. Les déchirures vont... voilà, Toxic Build, ça serait bien que ça... Bon, ça diminue, c'est déjà pas mal. Ce qui veut dire qu'il va pouvoir aller un peu mieux. Hémorragie sévère, ça c'est pas une bonne nouvelle. Heureusement, ça a été soigné quand même. Donc ça devrait aller un petit peu mieux. Et on a quelques plantes qui ont été récoltées, pas beaucoup malheureusement. Heureusement, j'ai pas tout récupéré, hein, donc on pourra avoir 100% d'éléments mûrs pour plus tard. Ça sera très bien. Alors, on m'avait dit dans les commentaires qu'avant, j'avais pas mis comment ça s'appelle? J'avais pas mis Orange en recrutement. Bon, malheureusement, va falloir faire avec, mais maintenant qu'il est vendu, mais ça pourrait être un peu dommage. A vendu un prisonnier comme esclave. Oui, ben ça, c'est pas beaucoup aimé. Partage sa chambre. Bon, pour l'instant, ça, on va peut-être pouvoir le détruire temporairement. Ça coûte rien, donc déjà lui enlever le partage de la chambre. Et on a un grossiste qui passe dans le coin. Est-ce que l'on a de l'argent? On a de l'argent. Alors, on m'avait fait remarquer que El Momo avait plus de... avait meilleur niveau. Ah oui, il a 11. Donc on va voir si El Momo est disponible. Bon, il va essayer de le recruter. On va lui demander d'aller acheter, d'aller s'occuper du grossiste, puisque ça devrait permettre. Voilà, on va faire comme ça de récupérer un peu plus de nourriture, ce qui va être un peu utile pour l'instant. Alors, on a des alpagas. Non, ça m'intéresse pas. On peut vendre du cuir parce que pour l'instant, on n'en a pas spécialement besoin. Du bois, non. Et on n'a pas de nourriture ici, malheureusement. Et les médicaments sont bien... Ah si, on a la viande de dromadaire, je n'ai rien dit. Si j'essaye de tout acheter, je dois 2400. Non, on va essayer d'avoir beaucoup de nourriture, oui, parce qu'il va nous en falloir de toute façon. Il va falloir énormément de plats. Alors on va faire comme ça. Tac, tac, tac. Hop là. Voilà, 1009. Ok, ça sera très bien. Et tout ça en nourriture qui va pouvoir être stocké. Alors après, bon, moins 8 degrés, d'accord, il fait relativement froid. Ici, on est à 6 degrés, c'est bien. 14 degrés ici, c'est acceptable. Là, 21. Ok, c'est très bien. Et on a des personnes qui sont en train d'être soignées. Ok, ça c'est acceptable, c'est accepté. On va pouvoir progresser, c'est très bien. Donc Cléassime va nous récupérer la nourriture. Hermine va consommer. Non, je voudrais pas que tu consommes, je veux que tu la transportes en attendant que Cléassime ait terminé des plats. Ça serait très bien. Pourquoi on les voit pas les plats? Pourquoi ils ont disparu? Ah, voilà qui est beaucoup mieux. Morira qui transporte. Et là, j'ai qu'un seul plat. Pourquoi j'avais un plat qui a été posé et qui a disparu? Je sais pas pourquoi. En humeur massacrante, on a Empereur Zerne qui est pas très bien du tout. Et qui est où pour le moment, Empereur Zerne? D'accord, il est en train de manger, donc très bien. Ça devrait remonter son humeur. Ah d'accord, il a mis dans son inventaire, c'est pour ça que il construit des bonhommes de neige. C'est dommage, on les voit pas les constructions de bonhommes de neige, ça aurait été marrant. D'ailleurs, on va demander à transporter tout ceci, on va commencer à faire un petit peu la petite zone ici, et on va mettre d'ailleurs en structure un mur de ma non, un mur automatique en marbre.
Et on va mettre de l'énergie qui va venir par ici. Voilà, qui devrait permettre un petit peu, on va commencer à creuser hein, pour tout simplement mettre en place les équipements. Il y en a Morira qui est pas très bien aussi. Ça va être temporaire, mais il va falloir gérer ça. Structure, un bloc de marbre ici, ça sera très bien. Transporter la pierre, ok, voilà. Comme ça, au moins, on s'assure que ça aille un petit peu mieux. Ceci, on va le transporter dès qu'on pourra. Voilà. Bon, nourriture toujours faible pour l'instant. C'est le temps que Cléassime fasse les plats en question. La lance ici est toujours à plutôt basse. Ça, on va y transporter, bien sûr. Parce que ça gêne les déplacements. C'est pas une bonne nouvelle sinon. Et je vais aussi transporter, transporter tous les matériaux qui sont ici. Ok. Donc on a, on revient petit à petit. Un chasseur a besoin d'une arme. C'est quel chasseur? Rome. On va lui donner un fusil sniper. Oh purée, il y avait un. Ah, d'accord, métal de lancement terminé. Fait par tomber ici et qui était ça c'était fait par Romain, d'accord. Bien. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui ne sont pas armées? Cléassime est armée. Hermine n'est pas armée. On va lui mettre son pistolet qu'elle avait avant. Ah si, il y a des bonhommes de neige. Ah c'est sympa ça. On a des bonhommes de neige qui ont été terminés. Bah j'avais pas fait attention. Après, inflammabilité 0, esthétique 4, c'est pas mal pour monter l'esthétique, je trouve ça sympathique. Moi qui me plaignais justement de pas les voir, bah là, ça me fait plutôt plaisir de voir ce genre de choses. Vraiment plutôt plaisant. On va commencer aussi à miner de ce côté-ci, et là je vais faire mon espace. Structure, production, le crématorium. J'ai pas assez de matériaux pour l'instant. Il faut de... non mais c'est pas en calcite que je veux le faire, c'est en je suis obligé en calcite, j'ai pas le choix. Ah, est-ce que je dois plus avoir de blocs de pierre disponibles? Structure en bois, est-ce que j'ai du bois? Oui, pour refaire ici, ça sera beaucoup mieux. Voilà, donc déjà tout le monde va pouvoir être un peu plus efficace. On commence ici à ramasser donc les éléments mûrs à 100%. Ça c'est très bien. Et on a de la haie grasse qui grossit aussi, donc on pourra avoir de quoi nourrir les animaux. Je vais demander à chasser le lapin ici. Et pareil, de ce côté-ci, le lièvre. Et on a des biches qui sont revenues. Donc je vais demander une éouée et un cerf. Et on va voir si on peut obtenir des animaux. Supplémentaire, on va dire, pour tout ça, ça sera très bien. Alpaga 1 n'est plus incapable de marcher. Qu'est-ce que tu avais, pauvre Alpaga? Tu as une famine sévère, d'accord, une cicatrice, ok. Ici, des famines. Ouais. Les animaux qui n'arrivent pas à se nourrir en même temps, on n'a pas vraiment de quoi les nourrir, les pauvres animaux. Est-ce qu'on peut récolter? Non, pas encore les plantes. J'ai peur qu'on perde nos animaux. Donc c'est vrai qu'il va falloir cultiver énormément de choses pour pouvoir les stocker. Et j'ai peur que là, on soit obligé de faire un espace froid pour stocker la haie. Sinon, on va peut-être pas être très bien. Va falloir voir un petit peu ce qu'il est possible de faire, de réaliser. Donc là, ça c'est fait. On n'a plus de marbre, hein, on n'a plus rien du tout. Et au niveau du travail, Rome ne va plus être geôlier parce que c'est pas nécessaire dans l'immédiat. On a un nettoyeur. Il va être transporteur, non. Fermier, chasseur, oui, ça plutôt. Ouais,
fermiers, deux fermiers, ça sera très bien. Je pense qu'on puisse s'occuper de la nourriture, s'occuper de ce genre de choses va être un peu important. Puis on a 22 plats, ce qui est très bien. Et Armin va donc nourrir le alpaga avant qu'il décède. Il est à une famine, 100% de famine. Ah oui, donc là, ça veut dire qu'il va peut-être pas tarder à mourir si on ne le nourrit pas. Et on a un siège, donc ça c'est pas une bonne nouvelle. Ce sont des pirates. Donc là il va falloir utiliser tous nos hommes au corps à corps. Alors le mieux c'est d'utiliser Rome qui va peut-être pouvoir tirer. Je vais vérifier que Rome est plutôt... Donc il chasse le lièvre actuellement. On va le recruter. Et on va le faire venir dans le coin. Qu'il chasse du pirate. Ça sera peut-être plus efficace. Peut-être attirer les pirates à nous. Ah, on en a touché un déjà. Il y a un écureuil qui est en train de manger leur nourriture. On a El Momo qui a atteint de la malaria, ça c'est pas une bonne nouvelle. Ah, un mort chez les adversaires. Deux, d'accord. Ok. Maintenant, il lance l'assaut, on va pouvoir reculer très rapidement de ce côté-ci. Les animaux, de toute façon, vont être en zone de sécurité. Ça, c'est bon. Tomber, tu fais quoi? Tu vas récolter les fraisiers? Non, tu vas te mettre en place. Cléassime, tu vas reculer. El Momo, malade. Bah, pour l'instant, on n'a pas sa lance. On va peut-être l'équiper d'un glaive en attendant. Le glaive qui est ici. On va essayer de prendre toutes les personnes présentes. Empereur Zern va transporter de l'acier. Non, il va surtout s'armer et venir ici. Là, et il nous manque quelqu'un. Il manque Moriera, je ne sais pas où. D'accord, est ici. Très bien, que l'on va reculer. Et c'est parti, je crois que j'ai recruté tout le monde pour le coup. Allez Rome, faut que tu cours jusque à la base. Mais déjà c'est pas mal. On a eu bon à mon avis Laura 18 ans, hémorragie triviale, jambe gauche qui a été touchée très bien. Lui déjà on va pouvoir lui vider ses affaires. Ça c'est pas mal, c'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer, qu'au moins ils nous auront pas tiré dessus, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, on va pouvoir récupérer ça aussi, ça aussi. On verra si on essaye de récupérer Laura plus tard, mais elle a l'air très intéressante, hein, notamment au niveau des animaux. Incisif, par contre, c'est pas totalement, bah, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux, mais ça serait peut-être quelqu'un qui serait intéressant à recruter. Alors, est-ce que El Momo, voilà, est équipé? Et on va attendre que tout le monde arrive. Allez, Rome, cours, 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 cours. Alors, Hermine, Cléassime, Empereur Zerm est tombé. Allez, ça passe directement au corps à corps. On attaque ici. Ok, on a fait des blessés, ils sont en train de fuir, très bien. Alors je vais dérecruter tout le monde, ça va être important. On a un lièvre fou qui va nous attaquer par ici. C'est quoi ça? Des lièvres morts, ok. Il va nous attaquer par ici, donc il y a des chances qu'il attaque même les pirates, ce qui serait plutôt intéressant. On va rajouter de ce côté-ci. Alors, je vais regarder un petit peu les aptitudes de chacun. Cet homme-là, si on essaye de le recruter, voyons voir. Main verte, travailleur et nerveux. Il est très bon en tir, mais celui-là, on va juste le déshabiller. Et puis on va le laisser tranquillement. Celui-là,
Night Owl. Il aime travailler de nuit. Il est masochiste. Ok, et il est plutôt déterminé. Je dirais pourquoi pas essayer de le capturer. On a tombé que l'on va demander. Non, Morira plutôt. Qui est plutôt pas mal. Et on va demander d'aller capturer Laura. Si on peut, et c'est parti. Alors je sais pas où est le lièvre fou pour le coup, je sais pas de quel côté il débarque. Alors. Ah bah oui, mais attendez. J'ai oublié quelque chose. C'est les lits de couchage. Donc forcément, ça fonctionnera beaucoup moins bien. Donc capturer Laura ici. Et toi, capturer Uxy. Tant pis, Rouge va pas être contente, hein, mais quelque part, on s'en moque un petit peu. Cléasim, non, Hermine, j'aimerais que tu soignes Elmomos. Ok, j'ai le lapin qui vient poser quelques problèmes de ce côté-ci. Alors, on va voir si le lapin veut bien se diriger vers voilà, vers les armes. Ça serait sympa s'il veut venir par ici. Il se déplace le lapin très bien. Ok, le lapin est toujours fou, il chasse toujours les humains, tout va bien. Mais pour l'instant, on l'a pas vu attaquer qui que ce soit, tomber. Ça par contre, c'est pas très bon, tomber. Si tu pouvais attaquer le lapin. Allez, attaque-le. Allez, on va se mettre à plusieurs sur le lapin pour pas trop blesser tomber quand même, ça serait dommage qu'il soit... Et quelques petites morsures, mais ça pourrait faire très mal. Ok. Bon bah lui on va le mettre à chasser. Et on a Morira et Empereur Zerm qui sont pas bien. Bon, Morira c'est parce qu'il est allé très loin en fait, tout simplement. Empereur Zerm. Alors ici, par contre, prisonnier. Recrutement 70, on va tenter de le recruter, d'accord. Et ici, on va tenter de le recruter. 88, c'est beaucoup plus simple, hein, donc beaucoup mieux. Allez, je vais faire quelques petits soins, puis on s'arrêtera là pour cet épisode. Bon, niveau de nourriture faible, ça on est habitué maintenant. Le lapin a été... non, même pas tué encore, hein. Rome n'a pas fait son travail. Rome est où, en même temps? Ah ben, Rome, si, est allé s'occuper du lapin, voilà. Il va aller chasser le lapin. Pendant que Cléasim s'occupe de la nourriture, ça c'est une bonne nouvelle. Allez, lapin, hop, au corps à corps. Très bien, un lapin tué... Empereur Zerm va aller se faire soigner, ça c'est très bien. On va soigner un petit peu les voilà, Laura qui est soignée. Bon, jambe gauche touchée. Elle peut plus se déplacer. Donc on va lui faire une opération et on va ah non, on peut pas du tout faire quoi que ce soit pour l'instant. Donc ça veut dire qu'on peut même pas lui mettre une jambe de bois. Ah, il nous faut des herbes médicinales, on n'a plus de médicaments, d'accord. Et lui pousse droit, touché, d'accord. Celui-ci, quelqu'un veut bien le... Sur le point de craquer, bah oui, il va craquer là, dans l'état où il est, il va pas aller bien. En tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode.
On aura donc résisté à un siège. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on va pouvoir demander à aller récupérer tout ce qui se trouve ici pour le mettre. D'ailleurs, je vais peut-être demander à détruire ceci, ça sera très bien. Donc on va pouvoir détruire tout le matériel, le récupérer pour nous. Ça servira à la colonie, bien évidemment. On va pouvoir aussi s'occuper, si on récupère encore du cuir et autres, tout simplement de cet espace-là, faire notre billard, rajouter des choses tout simplement pour le plaisir de nos habitants. Et comme ça, on pourra vraiment vivre sereinement dans cette colonie. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. On n'a pas encore fini nos défenses, hein. Je les ai mises en place, mais vous voyez que pour l'instant, c'est pas suffisant du tout. On arrive à tenir dans notre zone de sécurité, mais après, on va pas aller très très loin. Donc voilà. Sur ce, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Merci à ceux qui participent dans les commentaires. N'hésitez pas à continuer, ça me fait vraiment très plaisir. Et puis, on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là. Portez-vous bien, salut!